Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi aujourd'hui. Bah oui, on va bosser le centre des pecs. Programme fleuve, tu vois. Ça, c'est le fleuve. Programme fleuve. On va bosser le fleuve. C'est bien d'avoir des gros pecs, c'est bien d'avoir un gros bas des pecs, un gros haut des pecs. Si c'est pas délimité, tu auras un vide, d'accord? Et nous, on va créer un fleuve, tu vois. On va pas travailler le centre des pecs, on va créer un fleuve carrément en programme haltère, trois exercices. T'es prêt? Prépare tes haltères, ta bouteille d'eau et on y va. Premier exercice, développé couché haltère, normal, mais on va faire une finition au milieu, ok? On va bien contracter les pecs et finir le mouvement, d'accord? On va se faire ça 4 fois 10 reps. C'est parti. Hop. Hop, position de départ, comme ça, simple. Et on y va. Une, ok. Deux, ok. Trois, ok. 4, ok. 5, allez. 6, très bien. 7, ok. 8, ok. Allez. 9. Et 10. Oh! Fais les choses bien. Temps de repos, hop. Je pense que je vais mettre 50 secondes. 50 secondes, c'est bien. À savoir, anecdote sympa, parce que moi, c'est ça. Temps de repos, on discute. Ce programme-là, je le fais juste après le programme que j'ai fait pour la largeur des pecs. Ça veut dire que là, je suis déjà bien. Tu vois, je suis même très bien, je suis en forme. J'ai laissé la lumière verte, tu vois, je suis en forme, d'accord? Donc là, temps de repos assez court, on est bien. Et comme je l'avais dit, hein, j'ai fait un tournage aujourd'hui, donc j'ai pas pu m'entraîner. J'ai pas pu m'entraîner, je suis très chaud aujourd'hui, d'accord? Et on va faire ça bien. Le programme, on va l'assumer comme prévu. Oh. 48, 49, ok, je pars à 50, mais toi, tu peux partir à 1 minute ou 1 minute 30, grand max. Allez. Hop. Position de départ, comme ça, et on y va. Une, ok. Deux, ok. Trois, contracte bien les haltères quand tu les rapproches. Quatre, ok. 5, ok. 6, ok, allez. 7, ok. 8, allez. 9, derrière. Et 10. Je me sens plutôt bien là. Ouh. Partir à 50 secondes, tranquillement, faire les choses bien. Ouh. Je te cache pas, j'ai très envie de me lancer un défi pour ce mois de février. Si je te le dis, tu vas me prendre pour un fou. J'ai encore envie de partir sur un défi, une vidéo par jour, pendant les 28 jours de février. Tu vois, mais ça va, il y a 28 jours, tu vois. C'est plus 31. 31 jours, c'était beaucoup, mais là, c'est 28. Tu vois. 3 jours en moins de vidéos. Donc, normalement, on peut faire les choses bien. Hein. Après, je sais pas s'il y aura que des programmes, mais comme j'ai dit, au moins 10-15 programmes, au moins. On est tranquille. Tu vois, là, elle sera que des programmes qui vont s'enchaîner. Que ça, que ça. Il n'y aura pas de vidéo où je parlais, pas de programme. Après, je parle tranquillement. Bon, là, j'ai parlé, les 57. On y va, c'est parti. Hop. Allez. C'est la troisième. Position de départ, on y va. Une. Deux. Allez. 3, hop, allez. 4, ok. 5,
Ok, allez. 6. Allez. 7. Ok. 8. Oh, allez. 9. Et 10. Temps de repos. C'est la dernière série. On va faire les choses bien. Ouh. Je verrai aussi si je ferai des programmes avec la barre. Ça peut être intéressant. Parce que, avec la barre Z, non. Parce que très peu de personnes ont une barre Z. Mais je sais qu'en général, les gens ont soit des haltères, soit des barres. Tu vois? Mais plus des haltères. Donc, pour l'instant, programme haltère. Et je verrai si je ferai à la barre droite. Dans tous les cas, certains exercices que je fais, tu peux les faire à la barre droite, ok? Sauf, tu vas pas rapprocher la barre, tu vas pas plier la barre pour la rapprocher, hein? Réfléchis un peu. Mes exercices en prise large, en prise serrée, là, tu peux le faire avec la barre tranquillement. 43, oh ouais, et le temps il passe vite, c'est incroyable. Bon, on va repartir à 50 tranquillement pour la dernière, et on fait les choses bien. Hop, allez. Ouf. On y va. Une, ok. Deux. Trois. Allez. Quatre. Ok. Cinq. Ok. Allez. Six. Hop. Sept. Ok. 8. Allez. 9. Ok. Et 10. Oh. Tu prends une à 2 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Deuxième exercice, on va se faire du développé couché en prise serrée tranquillement. On prend les haltères normales, pas en prise neutre et on y va. Ok? 4 fois 10 répétitions. C'est parti. Hop, on les prend très serrés, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf et 10. J'ai mis un coup dans le micro avec l'haltère, faut que je fasse attention. Normalement, cet exercice-là va aussi bosser tes triceps. D'accord? Mais c'est pas plus mal. Les triceps, c'est important à en avoir. Oh. On va partir aussi à 50 secondes tranquillement. Et on va faire les choses bien. J'ai vu que dans mes commentaires, il y a une personne qui a dit que il aimerait revoir des vidéos de pompe freestyle, des tutos et tout. Donc je verrai si je referai ça parce que ouais, je kiffe hein, en fait faire ça. Je kiffe. C'est avec ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire mes premières vidéos et que les gens ont kiffé, ont partagé et que je me suis dit que c'est ce que je veux faire en fait. Faire kiffer les gens qui ont des vidéos, simplement. Et là, je parle beaucoup, je dois repartir. Je vais continuer mon histoire de pompe freestyle là après. Allez. Une. Allez. Deux. Allez. Trois. Quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. On descend bien bas. Huit. Neuf. Et 10, moi j'en fais une dernière parce que je suis pas descendu bas tout à l'heure. Oh, voilà. J'ai validé. Oh. On a deux. Ah ouais, faut pas que je casse mon téléphone là. C'est pas bon. Oh. Oh. Bon, j'en ai une ta où.
Les pompes freestyle, si tu veux, c'est pas très compliqué. Moi, j'ai appris ça, on va dire. Bon, en fait, je sais pas comment j'ai appris. Parce qu'au début, je faisais du breakdance. Donc, je marchais sur les mains, je faisais des. Voilà, je faisais. J'avais déjà de la force, je me portais déjà beaucoup. J'ai vu quelqu'un le faire, j'ai fait, j'ai réussi. On va dire, j'ai pas vraiment appris. J'ai eu la chance, tu vois. Je suis né avec ça. Mais je sais les prérequis pour apprendre, d'accord? Parce qu'il y a une base à avoir, il y a une base d'impulsion à avoir, d'accord? Mais t'inquiète, je vais voir comment je peux faire pour t'apprendre tout ça tranquillement, pour que toi aussi tu puisses frimer avec les vidéos, parce que c'est important, ça sert à ça les pompes freestyle, à frimer. Ok, on a 53, on va repartir. Bizarrement, le temps il passe vite là maintenant. Allez, une, deux. 3, là je suis bien. 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Il en manque une, hop. Je mets mon temps de repos tranquillement. Et on va repartir. Ouais, je verrai comment je vais faire parce que les salles de sport sont encore ouvertes. Les on-air sont ouverts en février. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de loi qui ferme les salles, les commerces en commerciaux. Ben, là où je suis, c'est fermé. C'est chaud, c'est chaud. Couvre-feu toujours, c'est incroyable. Mais. Oh. On continue à s'entraîner, on continue à faire les choses bien. Et voilà, on lâche pas, on n'abandonne pas. Et ouais, le temps passe trop vite. Là, il est 44 déjà. C'est chaud. Allez, on va repartir tranquillement. C'est la dernière. Hop. Et après, on passe à l'exercice 3. Hop. Allez. Une. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Oh. Bon, tu prends 1 à 2 minutes de repos. Et on passe à l'exercice suivant. Dernier exercice, on va faire un exercice que tu connais pas peut-être. On va se faire du développé couché en prise neutre, mais on va ramener un tout petit peu les haltères vers l'avant. D'accord? Ça, c'est pour le centre. Ça va te faire du bien au pec. Toujours 4 fois 10 répétitions. C'est parti. Là, tu vois, je suis essoufflé parce que moi, j'ai pris 30 secondes de repos avec l'exercice précédent. Allez, hop, position de départ. Comme ça, position d'arrivée. On serre un peu les haltères. Tu peux le toucher un peu, mais tu les fracasses pas non plus. Ok? Allons, on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. 7, 8, allez, 9 et 10. Oh, celui-là, il me fait mal. Celui-là, il me fait du bien. Oh. Faut que je rattache bien le truc de l'haltère là, parce que si ça tombe par terre, ça va faire du boucan et ça va réveiller tout le monde. Première fois que je bois deux gorgées, incroyable. Ça veut vraiment dire que là, je suis bien. Oh, je suis bien. Oh, on va essayer
de partir à 50 tranquillement. Et voilà. Et j'aime bien ce genre de vidéo parce que je te parle, je m'entraîne. De base, quand je fais une vidéo YouTube, je bégaye de ouf, je coupe la caméra et tout. Mais là, je m'en fous, je parle bien. Tu vois, tout se passe bien. Bon, il est 50, on dit, on y va. Hop. Allez. Position de départ, on y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Ok. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et 10. Oh. Oh. Il me semble que j'en ai fait 3. Oh. Il me semble que j'en ai fait 3. Là. Oh. Il m'en reste une. Dans tous les cas, après, je vais regarder les rushs. Mais ouais. C'est un truc de fou. Les exos me font tellement mal qu'il me faut oublier. Oh. Bon, prochain programme, je prends une feuille, un stylo et je note. Parce que là, j'ai l'impression que j'en fais 2, 3. Ça veut dire que je m'entraîne bien. Je m'entraîne vraiment bien. Oh. Allez. On va repartir à 50. Tranquillement à 50. C'est un bon temps de repos pour moi, pour la charge que j'utilise. Parce que c'est une charge pas très lourde. Oh. Et on fait les choses bien. Malgré que ce soit une charge pas très lourde. Ça me met bien parce que là je suis bien tracé, je suis bien congestionné, sachant que c'est des charges légères. Allez, les 50, on va finir en beauté tranquillement. Et si je vois que j'en ai pas fait 4, ben je vais me faire une punition, hein. Je vais m'en faire 20 ou 30 ou je sais pas. Allez, on y va. Hop. Ouh. Une. Deux. 3. Allez. 4. Oh. 5. 6. Allez. 7. 8. 9. Et 10. Oh. Ok. Voilà, je le savais que j'avais menti. Je le savais. J'avais grugé. Donc, on va se faire notre dernière tranquillement. Bon, comme ça, dernière. Et que j'avais perdu un peu la tête. On va s'en faire 30. Ok, on va se finir à 30. Allez, c'est parti. Hop. On y va. Oh. Oh. Allez. Une. Deux. Là, j'ai un peu plus vite parce que c'est 30 reps. 3. 4. Allez. 5. Ok. 6. 7. 8. Allez. 9. 10. Si t'es chaud, tu fais ça aussi. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Pourquoi j'ai dit ça aussi? 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh, oh. C'est deux programmes que j'enchaîne quand même. Oh, oh, ça me tue. Bon, je vais te dire le mot de la fin maintenant. J'espère que je vais pas bégayer, d'accord? C'est soit, après ça, tu prends 2 à 3 minutes de repos et tu passes à un autre programme de ma chaîne, ou alors tu te reposes et tu vas te rincer et la séance est validée pour toi. Si tu aimes ce type de vidéo, si tu aimes les programmes, je t'invite à mettre un like,
à mettre un commentaire. Dis-moi dans les commentaires aussi si tu as réussi à aller au bout et si tu as fait la punition que je me suis faite. Comme ça, on va rigoler un peu. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.